Contre Kems. Oh, mais c'est pas vrai, Paul. Ça fait 2 heures que je te fais le signe, là. T'es bigleux, t'es là, t'es avec nous. Enfin, je sais pas. Isa. Alors, Gabriel, commence pas. Ne me dis pas de me calmer. Mais je t'ai rien dit, donc. Non, parce que je déteste. Le côté. Non, mais c'est qu'un jeu, alors. Nanana. Ça va. Allez, distribue. Bon, pardon, excusez-moi. Ça va, dis quelque chose pendant que. On continue. C'est tout ce que t'as à dire, toi. On perd comme des mauvais à cause de toi, c'est tout ce que t'as à dire. On continue. Non, mais je rêve. Mais c'est pas possible. Y en a pas un qui a l'esprit de compétition dans cette famille, hein. Allez, c'est bon, je vais faire du vélo, ça va me détendre. Ouais, on va faire du vélo. T'as pris, toi. Tu sais comment aller quand elle perd, ta mère. Mais je sais, j'ai oublié. Oui, mais Laetitia, il y a un moment où il faut savoir être adulte. Il faut laisser gagner ta mère. Voilà. Merci, Petroni. Bon appétit. Au revoir. Bonne journée. Chatoun. Oui. J'ai gagné 12 lots. C'est pas vrai? Ouais. Un hélicoptère, pistolet à eau, service à fondu, tableau de crochet, enfin plein de trucs, quoi. Oh mais... Je t'avoue. Attends. C'est pas que de la chance. Moi, j'ai acheté 14 tickets à 10 euros. Non, mais c'est histoire de gagner un truc pour les gamins, ils vont être contents, tu vois. Gabi, c'est tous les lots que j'ai donnés, moi, pour la tombola, en fait. D'accord? Donc ça, c'est le service à fondu de ta mère, ça, c'est le pistolet de Jules, et ça, c'est le tableau de ta tante Armelle. Donc tu viens d'acheter pour 140 euros de trucs qu'on voulait juste foutre à la poubelle. Bon, peut-être les revendre. Tais-toi, en fait. J'en ai marre, on m'a encore piqué ma console. Elle est où? Je la cherche partout. Je la trouve pas. Eh, ça va, Jules? Arrête de pleurer, on a retrouvé ta console. T'as qu'à aller voir dans la chambre de Paul, tiens. Julo, devine qui c'est qui a retrouvé ta console? Super papa. Arrête papa. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. Gabi, ça va pas? Arrête papa, je faisais mal de voir là. Attends Julo, il y en a pour 5 minutes là, attention. Bah, ok, Gabi le destructeur, chope petit prince Julo, il le black. Arrête, il le pénateur, il le chope, il est là. Brisé. Il prend petit Julo, prince, il le chope. Oh, il est parti dans les cordes. Eh Gabi, je le destructeur des moules. Non Gabi, ça va. Tu veux regarder le catch? On a compris, tu peux. Il continue de l'assigner. Boum. Ah, je suis un peu à droite. Faut que je pivote en fait. Faut que je parte en avant et que je pivote. Black comme ça, voilà. Black. Oh. Elle est bien celle-là. Bam. Mais elles sont un peu faussées les fléchettes. Hein. Allez, vas-y. Epsé. Ah, elle est bien celle-ci. Elle est bien. Petit vent latéral. Un vent latéral. Hein. Pour ça, je suis un peu. Il aurait fallu boucher là. Non, mais je termine les fléchettes, il y en a, donc c'est bon. Ah, fais chier, trop bas. C'est la dernière, là. Déconcentrez pas, poussez-vous, parce que sinon vous me bloquez mon... Eh ben voilà. Gabi, il y a 20 personnes, en fait, qui attendent pour jouer, donc là, il faudrait que tu arrêtes. Bah oui, hein. Ouais, bah ça va. Il y a 20 minutes, là, oui, non, mais on y va, là. C'est bon, j'y vais. On y va. Bah, de toute façon, elles sont pourries, vos fléchettes. Bonne journée, messieurs, dames. Bah, mettez-la au centre, si vous êtes si bonne que ça. J'attends mon tour, monsieur, j'attends mon tour. Maman, t'aurais pas vu mes baskets? Bon, en tout cas, elles sont pas dans le salon, chérie. 4, 3... 2, 1, go! Allez. Épingle gauche serrée. Attention, Dodan. C'est bon, Sébastien Loeb, on peut aller à l'école? Allez, au boulot. Allez! Allez. Attention, sans s'arrêter. Yes. Yes, trop fort. Bien. Attendez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Mais tu le tiens mal, Chatoul, en fait. Non? Mais oui, il faut, en fait, c'est ça, il faut plus d'aisance dans ton bras, tu vois. Clac, clac, avec le bras, tu as plus d'aisance comme ça, d'accord? Ouais. En fait, il faut toujours que le frisbee il soit placé à 45 degrés au-dessus de toi. D'accord? Qu'est-ce papa, que tu fais? C'est quand qu'on joue, là. Attends, tu mets ton pouce à l'extérieur. Oui. L'index, le majeur, à l'intérieur. Oui, d'accord. D'accord? Mmh. Ok? Et non, mais c'est Julo, c'est important ce que je raconte à maman, là, d'accord? C'est parce que le frisbee, ça s'improvise pas. Ça se sent. C'est la continuité de ton corps. C'est le feeling, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules ton angle. Là, je t'apprends rien, c'est simple. T'es là.
Ah oui, d'accord. T'as confondu avec un boomerang, en fait. Tiens, à le chercher, hein. Là, je pense qu'il est, je sais pas, au bout de la rue, je pense. Allez, viens, Jules, on va manger des gaufres. Jules, arrête. Arrête, Jules. Maman, t'as vu ce qu'il fait? Il met du rage jambon dans mon assiette. Mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Ok, bolos, tu l'auras voulu. Jules, il a pissé au lit et il a caché les draps qui puent dans la commode. Bah, Jules. Laetitia, elle a embrassé Léo avec la langue. Mais n'importe quoi. Jules, il a déterré le hamster mort. Et Laetitia, elle a séché les cours pour aller au ciné avec ses copines. Et votre mère, elle a vomi au pot de départ de sa collègue. Voilà. Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Quoi? Bah. Ah non, non, je croyais qu'on faisait un jeu là. Oh là. J'adore. C'est viril la boxe. Ah, tu sais, Chatoun, la boxe c'est un sport de mec, hein. Ouais. Allez, je vais prendre un bain histoire de me détendre mes muscles. Oh non, non, c'est pas vrai. Quoi? Il y a plus de salle de bain à la Fleur de Coquelicot. Moins viril, ça. Chatoun, il est où le gant de crin? Pour mes peaux mortes. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais du cardio, chérie. C'est quoi? C'est de l'exercice. C'est bon pour le cœur. Mais moi, tu sais, je peux te faire des câlins. C'est aussi bon pour le cœur et c'est moins fatigant. Oh, t'es trop mignon, mon chat. Viens, je vais te faire un câlin. Fais-moi un câlin. Ah non, par contre, après la douche, là, continue à faire du sport. Bien, Paul, est-ce qu'on peut savoir exactement comment c'est arrivé? Bah, j'ai shooté dans le ballon et ça a atterri dans les carreaux de la voisine, voilà, et c'est oh, tout. Oh, tu arrêtes avec ton genre, je m'en foutise, d'accord? Comment on fait avec la famille Bayard maintenant? On est mal, voilà. Tu files dans ta chambre, dépêche-toi. Bah, il fallait faire attention. Ouais. Il a fait du sport. Formidable. Bonne journée, les chats. Ouais. Je vais bon. Un bisou, ouais. Oh, merde. C'est à l'amour. Oui, je sais, je suis tout feu. Voilà, je savais, tu te déconcentres, Mais là. Les résultats, hop, voilà. Mon manteau. Oh, t'es plus. Non, arrête. Ouais. Donne-moi ce manteau. Bisous, hein! Voilà, de toute façon, je suis à la bourre, on en profite. Ah ouais. Allez! Au revoir, maman! Bon, attends, excuse-moi, je vais aux toilettes. Mais tu viens d'y aller! Mais oui, je sais, mais écoute. C'est frustrant, hein? Non, attends, parce que moi aussi, en fait. Ben, attends. Excuse-moi. J'arrive. Attends, t'es sûr que c'est une bonne idée, là, ta fontaine zen? Je sais pas. Puis alors, franchement, l'encens, ça brûle les naseaux. Ouais, puis alors, les clochettes, là, j'ai l'impression de vivre dans une épicerie. Je suis d'accord. Allez, vas-y, éteins tout, on met la télé. Ça stresse le zen, hein. Oh là là. Vas-y. Salut chérie, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as mangé toutes les bananes, là? Bah ouais, c'est pour ton truc, là, les 5 fruits et légumes par jour. Comme ça, c'est fait, hein. Allez, mon chat, on y croit! Allez,
raté, dommage, elle est pas passée loin. Hé, hey, te mets pas la pression, tout va bien, ok, détends-toi, mais il y a tout le monde qui te regarde et l'honneur de la famille à défendre, d'accord? Allez, dépêche-toi. Allez, mon jeune, je suis avec toi. Maman est là. Maman est là. Bon, c'est pas grave. C'est une belle technique. Vous avez vu, monsieur Lame, il fait semblant d'être mauvais. Il est bon loin. Hein. Vous savez comment ça s'appelle ça? De l'humilité, monsieur Lame. Salut. Prenez-en de la graine, d'accord? Allez, mon bonhomme, deux essais. Reste deux essais. Maison une, je te dégomme. Maison une. Non. Allez, on y va. Il reste un essai. Deux essais. Il reste deux essais. Pardon. Ouais, ouais, allez, deux essais. Jules, ouais. Non, dommage. Mais vous avez vu quand même, il est fort. Il a juste son tir progressivement. C'est super subtil. Fais tomber une conserve ou sinon t'es privé de quelques vacances pendant tout l'été. C'est clair ça? Mais papa, je suis nul. Je te le fais pas dire. Tu te concentres. Allez. Bon, vous l'avez poussé. Allez, elle a gagné la grosse peluche. Non, il a triché. Non, les enfants, vous avez marre. Mais attendez, c'est quoi le problème? Vous supportez pas de voir un autre enfant que le vôtre gagner, c'est ça? Mais excusez-moi. Je pense que les choses sont dites. Merci beaucoup, messieurs. Merci, messieurs, dames. Merci. Le stand est fermé. Terminé. Le fair play, ça s'apprend. Il est doué. Si seulement j'avais d'autres parents. C'est l'équitation. Aïe! Pardon. Vas-y, Gabu! Well time, Gabu! On est quand même sur une cote à 25%. Aïe! Ah, j'ai compris! Tu regardais l'arrivée du Tour de France. Ouais! Bien joué! Oh, bien. T'es pas évident, celui-là. Ah non, il est bien. Vachement bien. Alors ça y est, ils sont calmés. Ah ouais, mais j'ai lutté là. Ils sont lourds quand ils s'y mettent, hein. Oh là. J-3887. Avant quoi? Les 20 ans de Jules. La liberté. C'est pas vrai, hein. Chatoun! Quoi? T'as pas vu mon t-shirt porte-bonheur, là, le orange avec les petites rayures fines, là? Bah, je sais pas, moi, il est peut-être au sale. De quoi? Au sale? Non, c'est pas possible. C'est mon t-shirt porte-bonheur, j'en ai besoin pour la course. Oui, enfin, en même temps, ça fait 17 ans que t'as pas gagné une seule course, donc faudrait peut-être changer de porte-bonheur. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que tu fais, Minou? Ah, c'est Paul qui m'a proposé de faire un foot. Il veut que je joue avec lui et ses potes. Oh, c'est super. Ah ouais, il a dû voir que je tenais la forme. Ça, c'est le vélo. J'ai perdu au moins 10 kilos. Ah ouais? Bon, tiens. Ouais. Tu joues goal, ok? On a besoin d'un gros qui prend la place dans les buts. Et dépêche-toi, on va être en retard. C'est à l'heure. À tout à l'heure, chef. Amuse-toi bien. Ouais. Two, three. Oh, yeah. You ever seen a whirling kind of potter? Out of mind and clap them saddle, Lord. Hey, why share all the borders? And believe us, then it be the Lord. That's right. And I say, what if I said the Lord? Oh, yeah, that's right. And I say, hot and bored, sad as Lord. Yeah! Alors? Pitoyable. Pourri. Nul. Ah bon? Juste, vous allez faire ça dans la classe de Jules? Mais attendez, il n'y a pas tout le décor là. Il va y avoir des bottes de foin, une roue de charrette. Bah oui, moi j'ai loué une vache. Mais vous abusez déjà qu'il a pas beaucoup de potes, le pauvre. Non mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. C'est bien la journée où les parents montrent leur talent. Ouais. Bah non, maman. C'est la journée où les parents montrent leur métier, pas leur talent. Ouf. Ah d'accord. Vous faites pitié. N'importe quoi. J'aimerais tellement changer de parents. On comprend pas. Trois plombs pour se préparer, sans déconner. 2 minutes. On va juste faire un tennis, hein. Et 55 euros de l'heure. J'aimerais bien pas rater la résa, si tu veux. Allez, dépêche-toi. C'est... Oh. Je suis prête. Waouh. Kalachnikova, j'adore. J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Attends. On a 5 minutes. Tu veux pas qu'on se chauffe un peu? C'est hyper important, l'échauffement. Minou.
dors bien. Je sais, t'inquiète pas, elle va se réveiller. Il est lourd. Oh la vache. Merci. Attends, Gabi, Gabi. Quoi? Le toutou. Ouais. Gabi. Quoi? Tu peux attraper du chocolat en passant. Quoi? Du chocolat. Du chocolat, ouais. Ouais. Merci. Tu veux plutôt de la glace avec de la chantilly? Ah ouais. Y en a, j'en ai acheté. Dans le bac, en bas, là, ça? Ouais. Tu l'as pas comme parfum? Litchi, y'a que ça. T'as acheté de la glace au litchi? Ouais, c'est super bon. Bon, enfin, c'est nul. Autant pas acheter de glace, hein. T'as qu'à acheter de la glace au chaud de Bruxelles aussi pendant que tu y es. Eh, hey, Audi, si t'es pas content, t'as qu'à en acheter toi-même. Ben, j'aimerais bien l'acheter moi-même, mais je peux pas, je travaille, moi, madame. Pardon, je travaille pas? C'est ça? J'ai le temps, moi? Ben, au lieu de faire des promenades à vélo, va faire les courses. Des promenades à vélo? Je fais 1500 km par an. C'est pire que le Tour de France. Jolie promenade, hein. Bah, écoute, je sais pas, va moins loin, va au centre commercial. Oh, c'est drôle, au centre commercial. Mais dis-moi, tu fais dans l'humour, c'est bien. Oh, mais hein. Je ne t'arrive pas au pédalier, mon amour. Pédalier, fais une blague avec le guidon. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait me coucher? On discute. Excuse-moi de te dire. Comme toi, d'accord. Hein? Je vais vomir. Viens. Fonce, 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 fonce. Oula. Retiens-toi, retiens-toi, retiens-toi. Les enfants. Quoi? Ça vous dit un petit jeu de société? C'est nul, non? Allez, vous êtes tout le temps avec vos écrans, là, c'est chiant. Mais non, mais c'est relou. Mais attendez, en plus, on passe jamais de temps ensemble, c'est l'occasion. Ouais, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on a envie de vous proposer avec papa, tous les week-ends, on se fait un petit jeu de société tous ensemble. Ouais. Non, mais c'est une blague, là. Non, mais on va faire quoi, comme jeu de Monopoly ou quoi? C'est quoi le Monopoly? Mais pas forcément, il y en a plein. Mais oui, il y en a plein des marrants, là, on va rigoler, allez. Ouais, carrément, allez. Allez, s'il vous plaît. Ok, ok. D'accord. Ah, cool. Non, mais c'est bon. Ok, on s'entend plus. Bon, c'est à moi. Je te dis qu'il est noir, ça peut pas être Jacques Chirac. Tu peux arrêter de me hurler dessus, s'il te plaît? Mais oui, mais tu comprends pas aussi. Bon, vas-y, c'est à moi, ça me saoule. Est-ce que j'imite des gens? Elle chante, elle danse et elle montre son cul. Donc ça n'est pas Patrick Sébastien, tu peux ça? Ouais, ouais, bah si ça avait été Patrick Sébastien, ce serait mieux au moins. Lui, il est drôle. Ah, oh, ouais, super. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois, je choisirai mes personnages parce que ça me gonfle. Oh là là, franchement. Mais si tu choisis tes personnages, Lady Gaga, il n'y a plus de jeu, tu comprends ça? Ah, c'est Lady Gaga? Oh merde! Bien, tiens, voilà. Bien, bravo! La flotte dans va. Le cerveau, c'est dis pas donc, possible. Oh, écoute, oh, ça me gonfle. Oh. Bah, tiens. Oui, je sais, ils sont où là, David Pujadas, Marie Curie et Joe Star là? Les enfants, revenez, on rigolait bien! Moi, je l'aime bien, Patrick Sébastien, d'accord? Je sais, c'est un problème. Allez, on y va! Allez, tous ensemble! Qui veut du lait? Moi, je veux bien, s'il te plaît. Non, merci. Mmh. Ah, alors, j'ai oublié de vous dire, votre père fait un régime. Hein. Encore? Oui, je sais, je sais. Alors, je vous réexplique, parce que c'est important, il y a plusieurs phases. Phase 1. Ouais, on sait. Au début, il est archi content. Voilà, c'est la phase euphorique. Il croit qu'il va être godé comme Ryan Gosling, donc il est hyper motivé, il fait du sport, il en peut plus. Bon, ça dure pas longtemps. Phase 2, il a faim, mauvaise humeur, il craque. Le regardez pas dans les yeux parce que ça le... Ça va, Minou? Salut. On n'avait pas des yaourts? Si, mon cœur, devant toi, là. Ce sont des yaourts aux fruits. Je mange des yaourts nature, les yaourts aux fruits. Il y a trop de sucre. Qui a pris mes yaourts nature? Je sais pas. Vous avez vos yaourts aux fruits, pourquoi vous prenez mes yaourts nature? Vous savez très bien que je les achète pour moi. Je vous laisse vos yaourts aux fruits, vous me laissez mes yaourts nature. C'est clair? Et les vaches seront bien gardées. On est d'accord? Voilà, donc là, quand on passe au vieux proverbe, c'est qu'on est en phase 3. Merde! Fais chier! Phase 4. Grossièreté. Gabby Johnson, couloir numéro 3. Je vois pas du tout, Mimi. T'es dans un stade. Non, je vois pas. Je suis désolée. Toujours pas. Championnat du monde d'athlétisme. Les championnats du monde d'athlétisme? Mais ouais, le mec il jette le poids, l'autre il passe sur les et tout. Ah ouais, c'était super mauvais. Ah non, tu regarderas pas. Pas bien. On va regarder Coup de foudre à Buckingham. Oh ouais, 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 j'adore. Parfait. Tu sens un peu.